Comment retoucher un paysage avec Photoshop? Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Tech de la Photo. Je suis David Collat et j'aide les photographes à développer leurs compétences en photographie. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de photos de paysages et surtout comment retoucher un paysage avec Photoshop. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de photographes qui ne retouchent pas leurs photos de paysages. D'un côté, il y a ceux qui sont contre le traitement des photos, pourquoi pas, c'est un choix, mais il y a aussi ceux qui aimeraient bien retoucher leurs photos de paysages, mais trouvent souvent les logiciels de retouche compliqués ou ne savent pas simplement comment s'y prendre. Je vais vous montrer ici que tout cela n'a pas besoin d'être compliqué, ce dont vous avez besoin, c'est de suivre une méthode pour avancer de façon progressive et logique dans la retouche de vos photos de paysages. D'ailleurs, je vous ai mis dans la description un lien pour télécharger la méthode pour réussir tous vos shootings photos, quel que soit le domaine. Avant de commencer la retouche, laissez-moi vous en dire un peu plus de cette photo que j'ai réalisée dans les Côtes d'Armor en Bretagne. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de la côte du granit rose au niveau du phare de Menrus. Malheureusement, ce jour-là, les conditions météo n'étaient pas vraiment de mon côté, mais j'ai quand même décidé de prendre cette photo avec une longue exposition en espérant pouvoir faire ressortir le contraste de couleurs entre la mer et les rochers. Passons maintenant à la retouche. Je vais vous montrer comment retoucher ce paysage avec Photoshop, mais sachez que vous pouvez appliquer cette méthode de retouche avec n'importe quel autre bon logiciel de retouche photo. Nous voici ici dans Camera Raw, le moteur de traitement des fichiers RAW d'Adobe, et je vais commencer par appliquer ce que j'appelle une retouche globale de la photo. Commençons par les réglages de base. Donc, j'ai d'abord diminué la température pour les rendre un peu plus froides. Au niveau des tons clairs, donc j'ai réduit pratiquement à 100% pour récupérer le ciel qui était un peu très lumineux. Augmenter un peu légèrement les tons foncés, augmenter un peu les blancs et diminuer les noirs. Ensuite, au niveau des détails, donc j'ai rajouté un peu de netteté, sans oublier de rajouter un masque. Qui permet de bien définir sur quelle partie de l'image on souhaite appliquer la netteté. Donc ici uniquement sur les rochers. J'ai rajouté également un peu de réduction de bruit en luminance et en couleur. Ensuite, au niveau du réglage de la teinte saturation luminance, tout d'abord au niveau de la saturation, pour faire ressortir la couleur rouge des rochers, j'ai augmenté la saturation des rouges et des oranges légèrement. Pareil au niveau de la luminance, j'ai augmenté la luminance pour les couleurs rouges et orangées. Au niveau de la correction de l'objectif, ne pas oublier d'activer le profil de correction de l'objectif et de supprimer également l'aberration chromatique. Ensuite, au niveau de l'outil de redressement pour avoir une horizon bien horizontale, j'ai appliqué un léger redressement et enfin j'ai rajouté un filtre gradué sur la partie haute de l'image, donc surtout au niveau du ciel, sur lequel j'ai diminué l'exposition et les tons clairs. Donc là on peut voir le masque appliqué à ce filtre gradué, et en fait j'ai appliqué un masque de type luminance pour en fait éviter que le filtre gradué s'applique également sur le phare. Donc ici on peut voir ce que ça aurait donné sans le masquage et avec le masquage, avec la luminance, ça évite d'appliquer le filtre gradué sur le phare. Voici du coup la photo avant les réglages, la retouche globale, et la photo après la première retouche globale au niveau de Camera Raw. Voilà, nous voici ici maintenant dans Photoshop avec ici notre fichier RAW qui a été retouché tout à l'heure lors de la retouche globale. Et la première étape dans Photoshop, c'est de corriger un peu tous les défauts de cette photo. Donc ça peut être des défauts liés à des poussières sur votre objectif ou sur votre capteur, ou alors des défauts liés à la scène elle-même. Donc ici, il n'y avait pas forcément beaucoup de défauts. On va zoomer un petit peu. Et on va voir qu'il y avait bizarrement des petits défauts, des bouées dans la mer, des petits points qui apparaissaient sur l'image. Et tout cela a été rapidement supprimé grâce à l'outil de correcteur localisé.
Donc, suite à cette première étape de correction des défauts, l'étape suivante, c'est d'appliquer ce que j'appelle du contraste localisé. Donc, pour cela, j'utilise une technique qu'on appelle la technique Dodge and Burn, qui consiste en fait à éclaircir les tons qui sont déjà clairs de la photo et d'assombrir les tons foncés. Donc, pour faire cela, j'ai rajouté deux calques. On va voir déjà le premier calque ici, qu'un calque avec le calque de réglage de type niveau, où j'ai augmenté la luminosité sur les tons moyens. Voilà. Et on peut voir que ce calque, je l'ai appliqué uniquement grâce à un masque de fusion sur des zones bien précises de l'image. Donc principalement au niveau des rochers, afin de donner un peu de profondeur à cette image. Et j'ai fait pareil, cette fois-ci, sur les tonalités plus sombres de l'image, avec toujours un calque de niveau. Et cette fois-ci, j'ai assombri les tons moyens. Et j'ai appliqué également un masque de fusion, donc principalement sur les rochers et légèrement au niveau du ciel. Donc si on compare avant l'application de la correction de contraste localisé et après, on voit tout de suite qu'on a rajouté un peu de profondeur à cette photo. Ensuite, l'étape suivante, c'est de jouer un peu sur les couleurs. Et pour cela, on va appliquer quelques réglages, je dirais, sélectifs sur des couleurs. Donc le premier réglage que j'ai appliqué, c'est un calque de type correction sélective, que j'ai appliqué principalement sur les couleurs rouges. En diminuant les cyans, en fait, on augmente à l'opposé les rouges. Et j'ai diminué légèrement le jaune, donc rajouté un peu de bleu au niveau des rouges. Et augmenter un peu la luminosité des rouges. Donc si on compare avant et après cette correction sélective, donc les rochers en rouge ressortent beaucoup mieux. Ensuite, j'ai appliqué ici un calque de balance des couleurs, donc qui s'applique, si on regarde le masque de fusion, uniquement au niveau de la mer. Et ce masque de balance des couleurs consiste à renforcer au niveau des tons clairs la couleur cyan et d'augmenter le bleu. Donc ça permet de donner une mer beaucoup plus prononcée, un bleu plus prononcé qu'elle était au départ. Donc on peut voir avant et après. Ensuite, j'ai rajouté un troisième calque de réglage, cette fois-ci de type niveau. Donc si on regarde le masque de fusion, ce calque de réglage s'applique uniquement au niveau du ciel et de la mer. Et donc là, il change un peu la luminosité du ciel et de la mer avec une légère teinte légèrement jaune. Donc on voit, hop, ici j'étais bleu. Et là, je passais un peu plus jaune pour réchauffer un peu la couleur de la mer. Voilà pour les couleurs. Suite à ce réglage des couleurs, j'ai appliqué un plugin Color FX Pro de la suite Nik Collection. Donc juste voilà pour refaire ressortir un peu plus les contrastes et appliquer légèrement, encore une fois, quelques réglages sur les couleurs. Et dernière étape de cette retouche de paysage dans Photoshop, c'est les finitions. Donc tout d'abord, j'ai appliqué un léger vignettage sur le bas de la photo. Si on regarde le masque de fusion, on voit que le vignettage s'applique du bas jusqu'à la moitié de la photo. Et donc j'ai légèrement diminué les tons moyens. Ensuite, j'ai appliqué cette fois-ci un deuxième calque, je dirais, de vignettage, cette fois-ci sur tout le contour de la photo. On peut le voir ici avec le masque de fusion. Donc toujours le calque de réglage de type courbe. Donc j'ai diminué les tons moyens. Voilà. Par contre, j'ai constaté qu'en appliquant ce calque, on peut constater ici que les rochers sont un peu saturés. C'est pour cela que j'ai appliqué par la suite
un calque de cette fois-ci de teinte et saturation. Donc toujours avec le même masque de fusion que précédemment. Mais là, j'ai réduit la saturation des rouges. Et également réduit un peu la lumière sur les rouges. Donc voilà, ça permet un peu de mieux focaliser le regard sur le centre et pas forcément sur les contours qui étaient un peu trop saturés à mon goût. Ensuite, j'ai appliqué voilà, un changement des couleurs un peu global sur l'image, avec tout d'abord au niveau des noirs, une diminution légère des cyans, une diminution des jaunes, donc augmentation des bleus. Le gris, j'ai laissé par défaut. Et le blanc, à l'inverse, j'ai augmenté les cyans et j'ai augmenté les jaunes. Donc, si on regarde, voilà, c'est très, très léger comme retouche. Par la suite, je me suis rendu compte que le phare et le centre de l'image ne ressortaient pas suffisamment. Donc, j'ai appliqué un autre calque de type niveau. Donc, c'est vraiment très subtil. Avec le masque de fusion ici, qui s'applique uniquement au niveau du phare. Et qu'est-ce que ça fait? Voilà, on augmente un peu les tons moyens. Voilà. Et tout à la fin de cette retouche, on peut appliquer maintenant de la netteté sur l'image. Donc si je zoome un peu, on verra la différence. Peut-être pas très visible sur la vidéo. Mais grâce à un filtre passe-haut, on a appliqué de la netteté sélective cette fois-ci, puisque j'ai appliqué un masque de fusion uniquement au niveau des rochers et pas sur la mer. Alors, un conseil, quand vous retouchez une photo pendant plusieurs minutes, prenez une pause de quelques minutes, voire quelques heures, avant de revenir par la suite sur la photo. Vous verrez que vous aurez certainement un regard différent sur la retouche. Revoyons rapidement comment retoucher un paysage avec Photoshop. Tout d'abord, il faut effectuer des réglages généraux avec le module Camera Raw, par exemple, la balance des blancs, l'exposition, le contraste, le recadrage éventuel, la netteté globale, la correction du bruit. Ensuite, dans Photoshop, corriger les éventuels défauts, des objets à supprimer, des poussières sur l'objectif et le capteur, modifier localement le contraste de la photo et ajuster de façon sélective les couleurs pour donner de l'intérêt visuel à la photo. Et en dernier, appliquer les finitions. Voilà, j'espère que maintenant vous serez mieux guidé pour effectuer vos prochaines retouches de paysage. Il n'est pas forcément nécessaire d'appliquer une retouche trop lourde sur vos photos. Parfois, juste quelques ajustements permettent déjà d'obtenir un rendu plus impactant de vos photos. N'oubliez pas de télécharger dans la description mon guide gratuit sur les étapes à suivre pour des sessions photos réussies. Et mettez-moi en commentaire vos questions sur cette retouche de paysage. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.